Comme la dernière fois, on va présenter des questions et ensuite on fait des commentaires. Chaque fois, on peut constater donc quelque chose qui n'est pas clair ou quelque chose qui est magnifique. D'accord? Bon, nous commençons donc par la question de la réponse française. Qui est intitulée constamment. Vous avez 5 propositions et on vous demande quelles sont les propositions exactes concernant les prostaglandines. Sont des pentapeptides d'origine naturelle. Ont une localisation ubiquitaire. Dans tous les tissus. Sont des composés de nature lipidique. Oui. Sont abondants dans la membrane des globules rouges. Sont produits à partir des acides gras polyinsaturés. Oui. Donc là, les réponses justes sont B, de nature lipidique également, et sont produits à partir des acides gras polyinsaturés. Voilà donc les réponses justes. Parmi les éléments suivants, lesquels appartiennent à la famille des prostanoïdes? Donc là, je vous rappelle, les éposanoïdes sont formés par plusieurs familles, disons, où on trouve les prostanoïdes, les leucotriens, les lipoxys. Et dans les prostanoïdes, vous allez trouver plusieurs éléments également. Les prostaglandines, les prostanoïdes et les processides et les thromboxanes. Voilà. Donc, famille des prostanoïdes, leucotriènes. Interleukine, thromboxane, oui. Prostaglandine F2 alpha, oui. Prostacycline, oui. Voilà donc les 3 éléments. Parmi les propositions suivantes, lesquelles caractérisent la structure des prostaglandines? Lorsque je dis ce qui caractérise les prostaglandines, c'est-à-dire via une caractéristique structurale. Là, c'est un problème structural qui va caractériser donc là les prostaglandines. Est-ce qu'ils possèdent une fonction alcool en position alpha sur le carbone 15? En position alpha, ça veut dire c'est dirigé en arrière du plan. Si je considère une prostaglandine, habituellement, la l'épingle à cheveux, fait 2. Donc, vous avez un cycle, hein? À 5 sommets, on a fait une chaîne. Et lui faire la fonction COH. Et de ce côté-là, vous avez ici une autre chaîne. Et vous avez, donc là, en position 15, ici, vous avez un OH qui est en alpha, c'est-à-dire il est dirigé en arrière du plan. En arrière du plan de cette molécule, donc il est dirigé en arrière. Là également, la chaîne que vous avez en haut, elle est également dirigée en arrière. Alors la chaîne
pied en bas est dirigé vers l'avant. C'est-à-dire, si je prends les deux éléments, l'un qui est dirigé vers l'arrière et l'une qui est dirigée vers l'avant. Et le OH en position 5 également est dirigé vers l'arrière. C'est pourquoi on est là, donc alpha. Si c'était bêta, donc il est dirigé vers l'avant. Donc je suis sûr que nous avons un peu de mal. J'ai eu une structure et on se fait un peu. Donc, possède une fonction alcool en position alpha sur le carbone 15. Là, c'est une caractéristique de toutes les prostaglandines. Possède un cyclopentane. Oui. Oui, également. Donc là, vous avez un cycle à 5 que vous trouvez dans les prostaglandines. Comme les prostaglandines corpion, donc ce cycle cyclopentane. Possède une cystéine en position terminale. Non. Dans les prostaglandines, il n'y a pas d'acide aminique. Vous n'avez pas d'acystéine, là, acide glutamique, là, glucide. La chaîne carbonée qui porte la fonction CH est en position alpha. Là, c'est la même chose, ici, elle est dirigée vers l'arrière. On possède trois doubles liaisons conjuguées. Le problème ici, c'est que ce sont des liaisons conjuguées. Est-ce que les liaisons qui existent dans le prostaglandine sont conjuguées? On a conjugué. Alternance entre double et simple liaison. Ça veut dire que les liaisons que vous allez trouver, voilà, si vous voulez, là, on les appelle des liaisons conjuguées. Des liaisons conjuguées, c'est-à-dire toujours les liaisons doubles sont séparées par une liaison simple. Il y a une alternance entre double et simple liaison. Dans les prostaglandines, ça n'existe pas. Par comparaison avec le leucotriène, vous allez trouver ces doubles liaisons conjuguées dans les leucotriènes. Donc, ou bien les toxines. Mais retenez que les doubles liaisons qui existent dans les prostaglandines ne sont pas conjuguées. Que ce soit 3, 2, 5, donc c'est toujours donc, des doubles liaisons qui ne sont pas conjuguées dans les prostaglandines. Donc, possède trois doubles liaisons conjuguées sur la chaîne latérale, c'est non. Mais pendant le classe 2, deux doubles liaisons sur le chaîne latéral. Là, je m'en parle donc aussi. Double liaison. Voilà. Donc, si vous voulez. Les doubles liaisons, ça va conjuguer. On va m'amener ça. On va en position malhonnête. Voilà donc les réponses A ou B et D. Voilà les réponses. Oui. La structure matérielle. Donc, la structure, donc, c'est comme ceci. Donc, vous allez trouver donc, ici des doubles liaisons sur les deux chaînes qui ne sont pas conjuguées. C'est même une raison. C'est une raison. C'est une raison. C'est oui, deux liaisons par le prostaglandine, je pense à ça. En position malhonnête, c'est bien. Voilà, sont séparés par deux liaisons simples. Deux liaisons simples. Voilà, donc, retenez qu'ils ne sont pas conjugués. Voilà. Ben, l'hélicotrienne. Dérive des acides gras provenant des phospholipides membranaires. Oui. Sont synthétisés par les globules blancs. Oui. Et c'est pourquoi on les appelle le leucotriène, parce que leuco, ça veut dire blanc, triène, ça veut dire trois doubles liaisons conjuguées. Donc, possède trois doubles liaisons conjuguées, c'est vrai. Contiennent une partie peptidique liée à la molécule. Oui. Là, j'ai précisé bêta.
Donc B4, est-ce qu'elle possède une particule TD? Si je remplace D4 par B4, voilà A4. Hein? À partir de quel élément nous allons avoir une particule TD? C4. Quand je suis dans le quotidien, je suis 2 qui me procède. Donc, je suis en 4. C'est toujours la même nomenclature parce qu'il y a 4 liaisons doubles. Parce qu'il y a 4 liaisons doubles. Dans le nucléotrienne, vous trouvez 4 doubles liaisons. Parmi ces 4 doubles liaisons, vous trouvez 3 qui sont conjugués. Donc, possède 3 doubles liaisons conjugués, contiennent une partie peptidique liée à la molécule, c'est juste, possède 2 chaînes hydrocarbonées. Porté par un cyclopentane, c'est les prostaglandines et non pas les leucotriènes. Donc les réponses, donc le A, le B également, et C également, et contiennent une partie peptidique, c'est juste E, c'est E. Donc il n'y a que le E qui n'est pas juste. La phospholipase A2. Donc, c'est l'enzyme clé de la biosynthèse des eicosanoïdes. La phospholipase A2 agit sur les lécithines membranaires en libérant l'acide gras en position bêta. Ce sont des souvenirs très lointains, surtout en fin de première année. Médecine, je vous donne une carte à la jambe, ça va assez. Donc ça fait longtemps. Avant de trouver, je m'en ai les cytines. Dans les lipides, il y a une classe similaire des phospholipides. Dans les phospholipides, comme les familles, elles sont les lécithines. Donc les lécithines, ce sont les phosphatidylcholines. Phosphatidylcholines, ça veut dire ce sont des phospholipides où donc l'alcool aminé est remplacé par la choline. La choline. Donc, si je représente le phospholipide, il a toujours donc la même structure. Le problème est silhouette, je vois. C'est des silhouettes qui sont permanentes. Phospholipide. Dis-moi ça, mais le glycérol. Elle a fait trois fonctions alcool. Le glycérol. Le glycérol est aussi deux acides gras. Un acide gras en position alpha. Et un autre acide gras en position bêta. Et en position alpha prime, c'est-à-dire celui qui est en bas, vous allez trouver un phosphate. Le phosphate est lié à un alcool aminé. Un alcool aminé, donc il peut varier. D'accord? Parmi cet alcool aminé, il y a ce qu'on appelle la choline. La choline. Choline, le fils, donc CH2, CH2, ou N, pour votre NH2, il y a le N qui porte trois fonctions méthyl. CH3, 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 avec un plus N. Avec ce mur choline, lorsqu'on trouve donc cet aspect, vraiment, on va commencer une délicité. C'est une famille de phospholipides qui est très donc, fréquemment rencontrée dans les membranes. Les membranes ont donc beaucoup de lécithines aujourd'hui dans les membranes. Les phospholipides vont prendre l'acide gras qui nous intéresse, l'acide arachidonique, à partir de ces phospholipides, le rôle des lécithines. Mais il choisit, puisqu'il s'agit de la phospholipase A2, qui a une spécificité d'action. Il ne peut agir que sur
cette liaison ester qui est portée par le carbone bêta. Donc lorsqu'il agit, donc la phosphore, lorsqu'elle agit, la phosphore passe à 2, elle va couper à ce niveau-là. Et le produit obtenu, lorsqu'on enlève à une phospholipide l'acide gras en position bêta, on va trouver une molécule qu'on appelle l'isolécétine. L'iso, avec Y, l'isolécétine, c'est la molécule qui reste après libération de l'acide gras porté par le carbone bêta. C'est bien l'isolécétine. Donc, libère le éthylé, agit sur l'hélicétine membranaire en libérant l'acide gras en position bêta, c'est juste. Cet acide gras, donc, généralement, chez les mammifères, c'est l'acide arachide. Cette phospholipase A2, elle est inhibée par donc, une protéine qu'on appelle la lipocortine, est libéré sous l'influence des glucocorticoïdes. Oui, non. Oui. Libère le phosphate à partir des structures lipidiques membranaires. Non, il ne libère pas le phosphate. Libère l'acide arachidonique à partir des phospholipides plasmatiques. Membranaires. Il ne peut agir que sur les phospholipides membranaires. Je vous dis que le plasma est. Comme des lécithines qui existent dans le plasma. Les lécithines sont transportées par des lipoprotéines, sont transportées par des lipoprotéines, il n'y a pas d'action de la phospholipase. D'accord? Agit sur les thromboxanes en modulant son action physiologique. Ça n'a pas d'effet. Pourquoi veut-il qu'il agisse sur les thromboxanes? Non, il n'a pas de réaction surtout sur les thromboxanes. Bon. Les thromboxanes? Qu'est-ce qui agit sur les thromboxanes? Ah non, là, pas beaucoup, là, là, là. Il y a une action, mais c'est lui qui agit sur les thromboxanes. C'est la dégradation. On va chercher le thromboxane par de l'action par la voilà. Des prostanoïdes et des prostanoïdes ont une action très grave. Mais ce qui me dit seulement, en quelques minutes, on va dégrader. Mais la dégradation, comme ça commence toujours par une inactivation. Le thromboxane va être inactivé. Et l'inactivation, habituellement, c'est réalisé par des enzymes. Il y a des enzymes qui vont agir sur les composés des prostanoïdes pour obtenir une activation, ensuite une dégradation. Voilà comme je trouve, on va avoir une question sur ce. Donc, oui, oui. Donc, habituellement, c'est dans la région où c'est où il y a une sécrétion. Parce qu'il n'agit pas à distance. Juste une désormais. Quand ce sont même des hormones. Donc, il y a une stabilité. Et quand ce sont des hormones. Mais, donc, l'action, donc, c'est local. Quand je vous pose une question sur cette. Donc, les réponses, on a le A, agit sur l'hélicitine membranaire, oui. Est inhibé par la lipocortine, c'est-à-dire par les corticoïdes. Il va y avoir deux réponses, donc le A et le B.
Parmi les enzymes suivantes, lesquelles sont impliquées dans la biosynthèse des thromboxanes? L'inhibition, bien sûr, de ces enzymes. Cyclooxygénase. Cyclooxygénase, c'est donc l'enzyme, la deuxième enzyme qui va agir dans la biosynthèse. Aldolase. Non. Il n'a pas d'action. L'aldolase, il n'y a pas donc d'aldolase ici. Gamma-glutamyltranspeptidase. Non. Gamma-glutamyltranspeptidase n'a pas d'action aussi. Phospholipase A2. Oui. La phospholipase A2 a une action, c'est la première enzyme qui va agir sur la libération de l'acide arachidonique. 5 lipooxygénase. Oui. Et donc c'est la voie de la biosynthèse des leucotriènes. Donc là, la cyclooxygénase et la phospholipase A2. Voilà les deux réponses justes. Parmi les enzymes suivantes, lesquelles sont impliquées dans la biosynthèse des leucotriènes? C'est presque la même question, mais au lieu de mettre les prostanoïdes, là c'est le leucotriène. Cyclooxygénase, ça devient faux. L'aldolase, c'est toujours faux. Glutathion transférase, oui, la glutathion transférase agit sur la biosynthèse. Oui, mais ce qui est plus juste, dans les articles, le même cas, n'a pas oublié de dire gamma glutamine transpeptidase, ou le gamma ou le glutathion transférase, mais donc, habituellement, c'est le glutathion transférase qui est plus. C'est la même chose. Oui, c'est sûr, généralement, chauffement. La glutathion chauffement. Glutathion, vous avez la cystéine qui est liée directement à la molécule. Pas de cystéine générale. Glutathione. Pas de part, donc le glutathion. L'acide glutamique. Mais l'acide glutamique n'est pas lié par sa fonction acide en alpha, mais par sa fonction acide en position gamma. Un acide aminé, puis une fonction acide. Puis une fonction amine. La fonction amine et la fonction acide sont portées par le même carbone. Et une cellule de carbone alpha. D'accord? Mais il y a des acides aminés qui possèdent une deuxième fonction acide, qui est l'acide glutamique et qui est l'acide aspartique. Donc, que l'on a donc une deuxième fonction acide. Cette deuxième fonction acide est portée par un carbone, et c'est le carbone bêta de l'acide aspartique, mais pour l'acide glutamique, porté par un autre carbone, c'est le carbone gamma. Il est loin du carbone alpha. D'accord? Dans les glutathions, repart à la liaison peptidique avec la fonction acide portée par le carbone alpha, là, elle se fait avec la fonction acide portée par le carbone distal et la monocellule du carbone gamma. Avec le schéma qui est permis de vous dire.
Donc, si je prends la chaîne, de l'écoutrien, là c'est la chaîne de l'écoutrien. La chaîne de l'écoutrien est liée là, de ce côté-là. Donc il y a un pot ici, bien sûr, qui va être lié avec la cystéine polys. La cystéine. D'accord. Pas cystéine, chose à moi. Femme de glycine. Bataille, femme l'acide glutamique. L'acide glutamique est en position gamma. Il est lié par sa fonction acide en position gamma. Donc, une réaction qui va passer de B4, le quatrième, B4. A4, donc il va passer vers C4. Ce qui va agir, c'est la glutathion transfert. C'est-à-dire, on va fixer tout ça. Tout ça va être fixé. D'accord? On va avancer le C4. Le C4. Pour passer au D4. Il faut enlever. Voilà. On va enlever celui-là. Celui-là, il est fixé par gamma. Donc, le calèche, c'est mieux. Donc, l'enzyme qui va enlever ceci, gamma glutamine transpeptidase. Gamma glutamine transpeptidase. Donc, ici, si vous mettez gamma glutamine transpeptidase, ici, ça devient juste le faux. سيكتوب عندكم في الواقع مكتوبة جماعة فيتامين ترانسبيبتيداز نقولنا parmi les enzymes suivantes lesquelles sont impliquées dans la biosynthèse de leucotriène C4 est-ce l'enzyme gamma glutamine transpeptidase est impliquée dans la biosynthèse de leucotriène C4 mais quand il faut que donc là c'est pour donc, on peut avoir donc deux réponses ici. Si vous mettez l'imitation transférase, ça devient juste. Il est quand même c'est pour le D4. Si je change D4, comme ça. D'accord. Là, maintenant, je n'ai pas de problème. Je crois que je n'ai pas إذا كان بارع سيسا إذا كان حق البيكا يولي وزاس حق يولي وزاس حق إذا كان حقه سي كاتر سي أونيك ما لبنيتاتيون ترانسفيراز ورسي نتعدى دونك لي ريبونس حطينا بنيتاتيون ترانسفيراز شو واحد phospholipase à 2 également, lipooxygénase aussi. Voilà donc les trois réponses justes. Quelles sont les propositions exactes concernant les cyclooxygénases? Donc, ce sont les enzymes responsables de la biosynthèse des prostaglandines. D'accord, prostaglandines avec les prostacyclines, avec les endorphines. Comment ça nécessite les cyclooxygènes? La voie, ça veut dire la voie de la cyclooxygène. Qui n'a pas la voie de la lipooxygénase, donc il va synthétiser le glucose. Le substrat préférentiel est l'acide arachidonique. Oui. Sont des enzymes mitochondriales. Cytoplasmes. Sont des enzymes qui sont cytoplasmes. Agissent en libérant de l'oxygène à partir des prostaglandines. Donc c'est plutôt l'inverse. Oui. Existe sous trois isoformes. Pas
provoque une cyclisation des phospholipides. C'est les phospholipides, mais provoque une cyclisation au niveau de l'acide gras concerné, le rôle de l'acide gras. L'acide arachidonique, donc c'est le substrat préférentiel, existe sous trois isoformes à carbone. Les cyclooxygénases de type 1, sont des enzymes inductibles. Inductibles, ça veut dire qu'ils sont sécrétés que suite à donc, quelque chose donc, qui provient par exemple d'une inflammation. Donc lorsqu'il y a une agression, c'est l'idée que lorsqu'il y a une agression et une stimulation quelque part. Alors que pour les inductibles. Alors, les autres qui ne sont pas inductibles, elles sont sécrétées tout le temps. Donc ils ont une action physiologique protectrice tout le temps. Donc généralement, ne sont pas inductibles. Les COX-A, est-ce que ce sont des enzymes inductibles? Non, ce sont les COX-2 qui sont inductibles à la suite d'un processus inflammatoire. Voilà. Sont exprimés de manière transitoire en réponse à des cytokines? Non. Sont inhibés par les anti-inflammatoires non stéroïdiens? Oui. Sont responsables de la production de prostaglandines protecteurs de la muqueuse gastrique. Oui. C'est protecteur, bien sûr. Sont exprimés en abondance dans les thrombocytes. Non. Les inductibles. Les COX-A, d'abord, aujourd'hui, non. Ça se fait tout le temps. Donc, j'ai inductible. Comment j'ai thrombocyte? La fiche. Donc, le COX-A. Il n'y a plus l'offre des thromboxanes qui va se synthétiser. Donc, ça existe en abondance pour assurer cette fonction. Donc les COX-2 sont inductibles, c'est-à-dire ils sont sécrétés que dans des circonstances particulières. Il se trouve donc l'inflammation, l'infection, l'agression. Donc vous venez sur le thromboxane, le COX-2 n'a pas donc de défait. C'est surtout le problème digestif concerné par le tissu, donc, oui. Mâche. Allez. C'est Non, il y a une synthèse de contagion.
Donc les réponses qu'on a sont inhibées par les anti-inflammatoires, sont responsables de la production de prostaglandules protecteurs de la muqueuse gastrique et sont également exprimées dans les thrombocytes. Ce sont des enzymes qui ont une structure différente. Les quatre, les trois, ils ont une structure qui est différente, mais qui ont la même action. Comme qui est en présence de l'oxygène et en même temps en présence de l'acide arachidonique, ils vont provoquer cette cyclisation. D'accord. Ah, la différence, maintenant, c'est structurel et de localisation aussi. Ils ne sont pas localisés exactement dans les mêmes, ils ne sont pas donc, d'une richesse identique dans les différents tissus. Alors, comment nous avons la même action? Bon. Parmi les prostaglandines suivantes, lesquelles sont à l'origine de la formation des thromboxanes? Donc le B, c'est juste le D. HD. Parmi les cellules suivantes, lesquelles sont les plus riches en prostacycline synthétase? Si je compte qu'ils synthétisent pas que la prostaglandine. Cellules des vaisseaux. Ce sont des cellules des vaisseaux, puisqu'ils sont très riches en prostacycline synthétase qui va agir aussi donc, sur les vaisseaux et sur les plaquettes. Voilà, donc ce sont les cellules endothéliales vasculaires. Parmi les leucotriènes suivantes, lesquelles contiennent le glutathion dans leur structure? C. Leucotriène, C. K. C'est uniquement le C4. L'autre est chante. Le B4, uniquement système. Donc là, je peux remplacer parmi le leucotriène suivant, lesquels contiennent donc, dans leur structure la glycine. C4 ou D4. D'accord. Avec un peu de cystéine de remplace dans leur structure, contient la cystéine dans leur structure. Voilà, il va dire C ou D ou C, D. Donc là, pour vous dire que les questions qui sont proposées peuvent être enrichies. Là, je vous dis, il suffit de changer le glutathion par un autre acide aminé, vous avez une réponse des questions qui vont toujours pour les leucotriènes. Parmi les leucotriènes suivantes, lesquelles sont tributaires de l'action de la gamma. Donc, il y a Donc, tributaire de
l'axiome d'acquobine de Zeta. Je suis pas là, c'est... Il y a deux questions, il y a même deux questions. D'accord. L'axiome de l'ouïe gamma glutamine transpeptidase. Je suis pas là, les réponses. Ils ont pas le choix d'attributer. Non, c'est bien. Je peux être formé que si cette enzyme est présente. Ah, parce qu'on a des critères. Donc, il nécessite. Voilà. D4, D2. Maintenant, tributaire de la glutathion transférase. Choline, C ou B ou E. C ou D ou E. On enlève entre D4 et E4, on enlève l'acide. Le glucose. Voilà. Glutathion transférase. Si vous mettez la gamma glutamine transpeptidase, vous allez obtenir deux niveaux. Parmi les substances biologiques suivantes, lesquelles sont obtenues après action de la 5-lipoxygénase sur la cible arachidonique. 5-lipoxygénase. Prostaglandine H2. Non. 5-hydroperoxy. Écosa, tétra, N. Oui ou non? Oui. Ninger. Donc c'est le précurseur de l'appelle 5-hydroperoxy. Voilà 5-hydroperoxy. 5, c'est le carbone 5. Hydroperoxy, voilà, comme là. O, Maha. Voilà comme le carbone. Donc, comme là, donc ce radical qu'on appelle 5-hydroperoxy et écosage, voilà. C'est-à-dire 20. On peut dire que la molécule elle possède dans l'atome de carbone tétra 4 double liaisons NOIC double tétra OIC. On a un acide. On a une fonction acide. On a celui qui connaît le nom, il peut écrire la formule. Donc, il peut écrire la formule. Alors, on va mettre un acide gras qui, dans l'atome de carbone, 4 double liaisons, et au niveau du carbone 5, on a une fonction hydroperoxyde. Donc, de ce 5-HPETE. Donc, dessert. Le quotrienne A4. Oui. Prostacycline. Le quotrienne V4, oui. Donc voilà, trois réponses justes. C'est la voie de la biosynthèse et le quotrienne. Parmi les actions physiologiques suivantes, lesquelles sont attribuées aux prostaglandines? Agissent à distance via le plasma. Non. Ça pas besoin. Donc, agissent localement, dans la région où sont sécrétés. Ont une action autocrine et paracrine. Oui. C'est-à-dire, rapidement, autocrine. Sur ils vont agir sur le tissu lui-même. D'accord, bien sûr, la cellule lui-même. Agissent aussi, sont paracrine
sur des cellules apocytes. Voilà, donc ce sont c'est l'action de ces éléments chimiques. Agissent comme des modulateurs locaux intercellulaires. Donc ils vont moduler, soit ils augmentent l'activité, soit ils diminuent l'activité. Agissent en modulant la production de l'AMP cyclique. Est-ce que c'est uniquement par l'intermédiaire de l'AMP cyclique? Je peux modifier la question. Voilà, donc ils peuvent agir en libérant du calcium. Ils peuvent agir également en agissant sur ce qu'on appelle la protéine kinase, par l'intermédiaire de l'AMP cyclique également. Donc là, il y a des modifications physiologiques par un second messager. Ça peut être l'AMP cyclique ou bien la libération de calcium en intracellulaire et qui vont agir sur d'autres structures comme la calmodulinine. Ben, agissent pendant une longue période. Dépassant. Agissent pendant une longue période. On a précisé. Parce que ça dépend de la longue période. Si je considère une période d'une seconde, c'est une longue période. On essaie de voir qu'il y a quelques minutes. Ça veut dire à quelques minutes. Ça peut durer quelques minutes. D'accord? Donc il faut terminer pour dépassant suivant. Donc là, c'est plus précis. Dépassant souvent les 120 minutes. Ça veut dire qu'on va s'arrêter. Est-ce que c'est bien dans le stade de 10 minutes, 42 heures? C'est quelques minutes, ça ne peut pas dépasser 3 à 4 minutes. D'accord? Donc, les réponses D, C, et D. B, C, D. Voilà. Parmi les prostanoïdes, Donc là, vous avez le A, vous avez le B et vous avez le E.